Hey, salut ma gang de vous autres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur HailCraft, notre serveur Minecraft en Java 1.16.1. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est très simple, je vais vous présenter notre mode faction qui est présentement en bêta. Donc bien évidemment, si vous cherchez un faction qui est en tout début pour pouvoir créer votre faction et être le plus fort, ben ça serait super cool que vous puissiez rejoindre, comme ça vous allez dans les meilleurs. Là, ce qui est certain par contre, c'est qu'étant donné que c'est en bêta, on va faire des changements avec le temps, on va y rajouter du contenu et avec l'ouverture de la alpha dans notre serveur HailCraft, éventuellement, ben vous allez voir, ça va devenir vraiment très cool. Donc on va se diriger tout simplement là-bas. Donc la première fois que vous entrez dans le portail faction, ça vous amène dans notre monde qui est PVP partout et bien évidemment avec le plugin FactionUUID. Donc ça, ça vous permet de créer une faction, de rejoindre, d'inviter des gens, de faire des claims. Vous avez même un F-map qui vous permet de voir visuellement dans la carte où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui est claimé et pour pouvoir claimer manuellement en cliquant sur les lignes sur le côté. Donc ça, c'est hyper bien. Et en plus, dans notre faction, nous, on a intégré un plugin qui s'appelle Rank Up. Donc ça, ce que ça fait, c'est si par exemple, je marque Ranks dans mon chat, donc ça va me montrer un peu c'est quoi les rangs, qu'est-ce qui va être après mon rang actuel, etc. Puis si jamais que je décide de faire rank up, ben là, ça me montre qu'est-ce que je dois faire pour monter de rang. Là, vous allez me dire, d'accord, c'est correct, on voit qu'on a besoin d'argent, on voit qu'on a besoin de niveau, qu'on a besoin de matériaux et même de kills, de créatures, mais qu'est-ce que les rangs? Pouvez-vous me dire ça, Satan? Là, je vais vous le dire, c'est très simple. Les rangs, finalement, ça vous amène des permissions supplémentaires dans le monde faction, ainsi que des kits avantageux comparés aux autres classes. Donc, entre autres, je vais vous mettre des images dès maintenant, des divers comme permissions de plus et des kits que vous allez avoir de rang en rang. Entre autres, si vous commencez, vous êtes une recrue, vous avez besoin de ce que je vous ai montré en rouge ici pour augmenter à éclaireur. Une fois ce fait, vous allez voir que votre rang va augmenter dans le tab et les joueurs vont pouvoir voir quel clan vous êtes. Quelle classe est-ce que vous êtes? Lorsque vous êtes amiral, vous avez accès à toutes les commandes et permissions d'en bas, et ça, c'est valable pour tous les rangs actuellement. Ce qui fait que lorsque vous êtes amiral, vous allez avoir un avantage assez impressionnant. Vous avez plus de 7 ombres, vous avez plus de kits qui sont forts, vous pouvez les sélectionner. Étant donné qu'il y a des cooldowns, vous allez avoir accès à plusieurs kits à tout le temps. Je vais juste laisser faire un petit jour. Là, vous allez me dire, parfait, comment je fais pour gagner de l'argent maintenant? Parce que moi, j'ai envie de monter de clan, de rang, et etc. Donc, une fois que vous êtes dans notre spawn militaire ici, vous venez à droite complètement, vous montez les petits escaliers. On a fait un shop faction temporaire, donc comme je vous disais, c'est embêtant, on est en train de le faire augmenter avec le temps, les évolutions et les rajouts de trucs. Donc, lorsque vous arrivez ici, nous, on fonctionne avec chest shop, donc c'est un admin shop. Lorsque vous avez des matériaux et tout ça, ben là, ça vous permet finalement d'aller les vendre. Donc, entre autres, si vous trouvez des diamants, ben, vous pouvez les vendre pour 200$ chacun. Et si vous voulez en acheter, ben, vous pouvez l'acheter pour 400$ chacun. Et ça, c'est valable pour beaucoup de ressources. Donc, c'est certain qu'avec le temps, nous, on va en rajouter et on va changer un petit peu le shop. On va le rendre plus beau, on va le rendre plus militaire parce que nous, notre thème, c'est la milice. Donc, c'est pas mal ça que j'ai à dire à propos du shop. Ça, lorsque vous en achetez ou vous en vendez, vous allez pouvoir voir votre porte-monnaie. Là, présentement, étant donné que je suis fondateur, c'est certain que je suis à un montant incroyable. Donc, ça, c'est certain. Puis, j'ai une petite note à vous faire aussi. Je vous donne un beau 1000$ gratuit si vous rejoignez le serveur et qu'une fois dans le serveur, vous dites au fondateur, donc à moi ou aux admins, je viens de la vidéo de présentation du faction, pourrais-je avoir mon 1000$ s'il vous plaît? Et marquez-le aussi dans les commentaires de cette vidéo, donc ça va me faire plaisir de vous donner un petit 1000$ pour départ, étant donné que vous nous avez rejoint pendant la bêta. Si vous voyez des bugs et que vous nous aidez à les régler, vous allez avoir des récompenses aussi. Donc c'est vraiment, on est en bêta, on le sait, on veut l'améliorer pour éventuellement le sortir en alpha et bien évidemment le sortir de version complète un jour. Donc pour la faction, c'est pas mal ça. Si on regarde par exemple dans les fac info, excusez-moi, il y a un zombie qui a voulu ma peau. Donc comme que je disais, si vous regardez présentement dans la faction liste, s'il voudrait bien me lâcher, merci. Si on regarde dans la faction liste, on voit que présentement nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 factions qui ont été créées pour le moment. Certes, c'est des factions souvent qui sont à un joueur et d'autres qui ont été abandonnées complètement. En ce moment, la faction qui gagne, c'est Infinity qui a 5 membres avec un max power de 59. Et sinon, il y a les autres comme Jugpart et Cheater qui sont à 2 membres. Donc, bien évidemment, si vous rejoignez et que vous créez ou rejoignez une faction, ça va mettre un peu plus d'action, il va y avoir plus de combats et ça va être quelque chose de très intéressant. Alors, sur ce, ma gang de vous autres, si vous voulez pas manquer les prochains
prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez apprécié un peu la présentation du faction et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à la rejoindre. Entre autres, sur notre serveur, on est un serveur multijeu Java en 1.16.1. On a le mode semi-RP, on a du créatif, on a du faction, on a une survie PVP anarchie avec aucune règle, mais on refuse quand même les cheats et les hacks. Et nous avons aussi des Hunger Games et des mini-blocks comme Skyblock, etc. On a beaucoup de choses, venez visiter, j'espère que vous allez avoir apprécié. Si vous avez des suggestions ou autre chose à dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je prends le temps de répondre à tout le monde. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous revoir sur HailCraft. Salut ma gang de vous autres!